par un formidable qui s'appelle Sébastien Ledoux, qui travaille sur ces questions-là, et qui a une notion qui est problématique puisqu'elle agit plus sur les émotions. Et les émotions, c'est des hormones et c'est une drogue dure. Il en faut toujours plus pour sensibiliser au détriment de la compréhension, au détriment de la raison. Parce que si on regarde le bilan du devoir de mémoire, il est quand même pas très glorieux en termes de politique. Du contraire, et malheureusement, je crois que c'est un peu le pire. Je crois pas que. On a 5 ans quasiment de. Début des années 80, avec notamment quelqu'un qui s'appelle Serge Barcellini. Je crois pas que le racisme ou l'antisémitisme ait disparu de notre pays. Donc je ne sais pas si ça a beaucoup fonctionné, et c'est pour ça que je pense qu'il faut en appeler. C'est quelque chose qui me paraît extrêmement important. À la raison, qui en appelait à la médiation, au travail essentiel des. Et là, on est bien dans Hôtel Sans Flamme avec Eric Dimeco, avec Jean-Louis Tour et avec Jean. Dans 15 minutes, c'est le moment de Julien Cazard avec son. C'est l'heure de l'affrontement. Toi, Eric Dimeco. Oui. Trempe. On y va. C'est Roten sans flamme. Échange des hommes. Je pense. Mais je suis pas dit qu'il y a des gens. Bon, moi, je suis Jérôme Roten, sélectionneur. C'est scandale. Il y a peut-être un peu de temps qui va. Oh, c'est l'accusé. Bon, avec. Ça veut dire peut-être que ça marche avec tout le monde. Comment est-ce que tu veux dire? Bah c'est, ça marche bien, je trouve. Là que ça se. C'est ça. Ouais, c'est ça. Ah, on teste avec les autres aussi. Je pensais que c'était avec ma tête. Non, si tu disais ça. Ça ne permettrait pas quand même. Oui, bah écoute. Alors, dans une. Je méfie. Hein. Non, il n'y a pas. Franck McCourt, propriétaire de l'OM, très discret toute l'année. On a souvent. Il a de nouveau tordu le cou au fameux fantasme de la vente de l'OM aux Saoudiens qui rachètent le club pour injecter des centaines de millions, mettre Zidane sur le banc, etc. etc. Ouais, la question. Défenseur, assez clair. 02 40 73 6000. La Loire-Atlantique, c'est vous qui en parlez le mieux. Alors, en Loire-Atlantique, moi, là où l'endroit où j'aime aller me promener, c'est au lac de Grandlieu, car j'y habite à côté. France Bleu Loire-Océan, ici, on parle d'ici. Jamais reçu, c'est jamais envoyé.
l'occurrence, l'affaire en question relevait d'un conflit d'ordre social, pas du pénal. Qu'importe désormais la juridiction concernée, tous les étrangers résidant en France peuvent solliciter cette aide juridictionnelle, car la décision du Conseil est applicable immédiatement et pour toutes les affaires qui n'ont pas encore été jugées définitivement. L'impact principal devrait précisément se faire sentir au prud'homme dans les conflits du travail qui concernent les sans-papiers. Merci Florence Turm. C'est une alliance inédite pour la traçabilité de l'information et pour renforcer la confiance du public. 6 groupes et organisations de presse rassemblant 3200 titres et près de 28 000 journalistes ont souscrit à une charte renforcée. Un texte qui avait été lancé en 2019 et maintenant donc précisé et renforcé pour éviter, je cite, un pillage des contenus. Jacques Transeau, cofondateur de Médiacité, est l'un des membres du bureau du SPIL, le syndicat de la presse indépendante d'information en ligne, co-signataire de... Durcissement du mouvement social. Jamais dans l'histoire du géant des semi-conducteurs à la culture du travail ultra rigide, une telle menace n'avait été proférée par les représentants des salariés. Il faut dire que le premier syndicat a officiellement vu le jour en 2018, le groupe ayant longtemps réprimé sévèrement toute tentative d'organisation des travailleurs. Ces dernières semaines, les employés ont manifesté pour faire pression sur la direction et obtenir une amélioration des salaires, ainsi qu'un jour de congé supplémentaire. Face au blocage des négociations, les syndicats ont organisé une conférence de presse ce mercredi. Devant une affiche où il était inscrit « Nous ne pouvons plus tolérer la répression du travail et la répression syndicale », ils ont invité tous les employés à poser une journée de congé.